Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir un dernier coffret 6 boosters. C'est, comme je vous le dis, mon dernier coffret, donc à nouveau dans un décor un peu paradisiaque au bord de la mer. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est une petite crique. Il y a une petite île là-bas au fond. Je ne sais pas si on arrive à la voir bien sur la vidéo. Et puis, bah voilà, je vais ouvrir ce dernier coffret 6 boosters. Comme ça dans ce décor vraiment apaisant. Alors j'ai essayé de me mettre à l'ombre pour avoir un meilleur rendu parce qu'avec le soleil c'est vraiment pas facile de trouver un emplacement. C'est vrai que c'est plus facile d'ouvrir des boosters à la maison enfermé que comme ça au dehors, et puis il faut arriver à trouver à fixer la caméra, enfin c'est vraiment pas facile. Donc je vais essayer d'ouvrir les 6 boosters comme vous pouvez le voir. Alors je vais les sortir un par un. Hop, je vais les enlever de la caméra, je vous laisse admirer le paysage. Voilà. Et voilà. Alors j'ai prévu une petite boîte en plastique, tout simplement. Et voilà les 6 boosters. Alors la petite boîte, elle va me permettre de les ranger les cartes tout de suite. Pour éviter de les abîmer. Et voilà. Allez les amis, ça va être une ouverture un peu sympathique. Alors, je prépare. Voilà, et je prends le premier booster les amis. Alors ce sont 6 boosters, j'ai pas regardé, j'ai pas fait gaffe. Il me semble que c'est 6 boosters épée et bouclier encore. Donc B01. Bon, c'est vrai que c'est... Oula, c'est des petits coffrets qui coûtaient pas très cher. Vous pouvez les avoir entre 20 et 25 euros pour 6 boosters, ça faisait pas cher du tout. C'est vrai que ça vous revient à une boîte de 36 boosters autour de 120 à 140 euros, donc voilà, c'était pas cher. Allez, premier booster. Et puis c'est vrai que j'ai eu de la chance dans certains coffrets, surtout le premier, avec 5 cartes ultra rares. Il y a eu d'autres coffrets un peu sympathiques. Bah zut, j'ai fait tomber un papier. Je vais le ramasser parce que je ne souhaite pas polluer la région. Hop, pas facile. Voilà. On montre bien que je le ramasse et que je jette rien du tout. Allez, c'est parti. Je vous donne la carte code du premier booster, les amis. Pour ceux qui veulent jouer au jeu en ligne. Voilà. Hop, c'est parti. Et puis, on va faire durer le suspense, comme d'habitude, et faire défiler les cartes une par une dans ce décor paradisiaque. Enfin, décor, non, paysage. Allez, la première. Tournicoton, alors vous pouvez voir ici le petit logo, hein, la famille épée bouclier. 202 cartes notées, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a beaucoup plus parce que il y a beaucoup de cartes ultra rares, les amis. Donc il y a beaucoup plus de cartes. Allez, c'est parti, tournicoton. Ensuite, pois sirène. Topiqueur. Rapion. Oh, je les range en même temps dans la petite boîte. Ou toutes. Ce sont les communes. Limonde de Galar, peu commune. Lapirou. Nabil, en peu commune, un dresseur. L'énergie. L'énergie sombre. Et une commune reverse, mini-sange. Et la rare. Allez, la rare. Hop, une rare classique. Farfait Duvet. Donc premier booster sans avoir de grandes cartes. C'est pas grave. Je vais ouvrir le deuxième booster. J'espère au moins avoir au moins une ultra rare. C'est vrai que le premier coffret que j'ai ouvert, il était mélangé. Il y avait 3 boosters, il me semble, soleil et lune, 3 boosters, épée et bouclier, c'est le seul. Tous les autres, ils avaient que du épée et bouclier. Donc c'est assez étrange ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Allez, la carte code du deuxième booster. Hop, voilà. Je la mets de côté et puis on va mélanger les cartes. Enfin, mélanger volontairement. Et c'est parti. Topiqueur. Grain dur. Pois sirène. Roselia. Statitique. Poisson roi. C'est la première carte peu commune. Badaboin. Œuf chance, un dresseur peu commune.
Est-ce qu'il va me porter chance? On va voir. Énergie métal. Et une commune, Poulpaf, une commune reverse, Poulpaf. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, pas grand chose. Et la rare pire au but, la 36 sur 202. Bon, bah, les amis, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Deux boosters, l'œuf ne m'a pas porté chance. Alors, est-ce qu'il va porter chance pour les prochains boosters? Alors, encore 4 à ouvrir, ça serait cool quand même, avoir une super carte. Alors, des fois, j'ai pu remarquer dans d'autres jeux cartes, dans d'autres jeux de cartes, il y avait des fois quand il n'y avait pas grand chose, surtout sur Magic. On se tapait une super carte avec quand même. Allez, le code, la carte code pour le JCC Online pour ce troisième booster. Hop. Et puis, alors c'est comme ça. Allez, allez, je le sens bien là, les amis. Enfin, je le sens bien. Je sais pas, on va voir. Allez, Wistempo. Charibari. Balbuto. Lupio. Gripat, on range les cartes en même temps. Malamandre, c'est la première peu commune. Écusson métal, ah ça va, elle me dit rien, elle me dit rien du tout. Ah bon, ça sera un peu, ah, c'est vrai, j'en ai tellement ouvert. Moto, moticyclette et l'énergie plante. Allez, alors c'est vrai que il me semble le dernier coffret que j'ai ouvert, j'avais quand même eu 6 cartes intéressantes, c'est-à-dire dans tous les boosters j'avais une carte intéressante, dont 3 rares reverse dedans, plus une ultra rare, il me semble, et 2 holo rares. Donc c'était quand même plutôt correct, là pour l'instant il n'y a rien. Bon, et une commune, Fantominus, commune reverse, ça fait 3 reverse normales et 3, peut-être 3, eh oui, 3 rares normales, fermite à 8. Ok, alors c'est vrai que je passe d'un extrême à l'autre, hein. Un coffret est super, un coffret pas terrible. Bon, il reste 3 boosters, les amis. Hop. Alors ça veut rien dire, hein. Faut avoir de la chance, c'est comme ça, hein. Il y a 6 boosters pris aléatoirement, et puis bah je vais peut-être tomber sur 6 mauvais boosters. Allez, la carte code pour le JCC Online. Voilà. Pas me tromper de sens. Et c'est parti avec Scalpion. Gripat, ah ben, je l'ai déjà eu. Voltoutou. Poulpaf, Doudouvet, Démenta, c'est une peu commune. Maillet écrasant et échange en peu commune. Ah, ça c'est peut-être pas mal ça. Ensuite, énergie combat. Allez, une reverse. Qu'est-ce que j'ai? Une commune encore, Roselia. Ben, j'ai rien dans ce coffret, rien du tout. 4 communes reverse. Et une nouvelle rare en flex, qui rare classique. Bon bah en 4 boosters là je crois que c'est bien la première fois. Alors que le coffret d'avant j'avais tous les boosters, j'avais quelque chose. Bon après j'ai été plutôt chanceux sur l'ensemble des coffrets. Je crois que j'en ai récupéré 6 ou 7 il me semble au total. Et au total j'ai eu quand même un grand nombre d'ultra rares, hein, on va dire. Mais bon, ça s'équilibre au final. Allez, 5ème booster. Bon, il y a quand même à avoir quelque chose les amis quand même dans ce coffret, ça serait pas cool quoi. Avec la carte code du JCC Online. Voilà. Allez, c'est parti. Avec Balbuto, Tritox, Ponyta de Galar, Chanchidou, l'armée Léon, Rhinophéros, c'est une première peu commune. Blanc coton, ballon, et la dernière peu. Ah non, mais non, c'est la dernière. Blanc coton et ballon, ce sont des peu communes. Alors maintenant, l'énergie, donc c'est l'énergie électrique. Allez, la reverse, une commune encore, Miaouss de Gare. 5ème commune reverse. Alors là, faut le faire quand même. Hein. C'est vrai que j'avais déjà constaté que ces boîtes n'étaient pas forcément équilibrées. Et oh, enfin, pire au but. Je me demande si je ne l'ai pas eu dans le dernier coffret, celle-là. Oh, c'est pas de bol, holo rare. Ah bah une holo rare que j'ai déjà. Bon. Bon bah voilà, j'arrive au dernier booster et il n'y a rien dans ce coffret les amis. Ce coffret il est pas terrible du tout. Alors en plus c'est mon dernier. Je voulais faire ça dans un décor un peu paradisiaque, dans un paysage paradisiaque. Et ben voilà, bon bah il n'y a que le paysage qui est sympa en fait.
Après, je regarderai dedans, mais je suis pas sûr qu'il y ait des cartes que je n'avais pas, puisque vu le nombre de cartes B01 que j'avais, je pense que... Allez, la carte code du JCC Online pour le dernier booster, les amis. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, la première commune, Zigzaton de Galard. Muna. Hop, Frissonil. Wistempo. Coquias. Bon, j'espère que j'aurai un peu plus de chance quand même dans les prochaines ouvertures. Bon, c'est aléatoire hein, quand même. Hein. Échange d'énergie. La 162, c'est une peu commune. Coléodome. 18, peu commune. Et la dernière peu commune, l'immonde de Galard, la 132. Bon, allez, j'arrive à la carte énergie, énergie, feu. Allez, c'est parti. Oh, j'espère que je vais avoir quelque chose pour terminer quand même. Une sixième commune statistique. Reverse. 6 communes reverse dans ce même coffret. Alors les coffrets, ils ont vraiment pas été équilibrés, les amis, parce que franchement, c'est pas terrible. On peut passer d'un coffret avec 5 ultra rares à un coffret avec rien du tout. Là, j'ai juste une holo, mais bon, je trouve que c'est pauvre quand même. En 6 boosters, c'est très pauvre. C'est petit défaut de ces coffrets. Si vous en avez acheté ou si en reste à acheter, parce que je suis pas sûr qu'il en reste encore, prenez-en plusieurs et pas un seul, parce que vous pouvez mal tomber et en avoir et avoir rien du tout, quoi, les amis. Plusieurs, il y a quand même au moins une chance que vous en ayez un avec pas mal de trucs. À ce prix-là, en plus, 6 boosters, ça fait pas très cher. Et la dernière, et oh, Dunaconda, c'est une holo rare. Donc effectivement, j'ai réussi à avoir 2 holo rares dans ce même coffret, les amis. Voilà, alors c'est vrai que ça fait un bilan pas très terrible hein, comparé à d'autres bilans que j'ai pu faire. Je vais peut-être les écarter, c'est encore plus sympa là, parce qu'on voit vraiment le paysage derrière, avec la mer, les vagues. Voilà, bah écoutez, ce coffret, c'était un coffret un peu pauvre. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, toutes les cartes Pokémon sont belles à ouvrir. C'est comme ça, un jour on a de la chance, un jour on en a moins. Le dernier coffret était top, celui-là il est un peu moins bien. Après, il faut regarder dans le détail. Il y a quand même ces deux cartes holo rares dedans. Voilà, et puis il y a eu 6 communes reverse. C'est pas dit que je les avais déjà aussi pour compléter la collection, ça peut être pas mal. Et voilà, écoutez, je vous laisse profiter 10 secondes de ce paysage, les amis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de changer un peu de décor, du décor classique des ouvertures, on va dire enfermé, et de profiter un petit peu plus. J'avais fait des ouvertures dans la nature, là j'ai décidé de faire des ouvertures au bord de l'eau. Je trouvais ça un peu plus sympa et dépaysant. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.